comment enlever le bruit de fond dans les vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous partager deux outils d'intelligence artificielle incroyables pour supprimer le bruit de fond dans vos vidéos rapidement, facilement et sans dépenser un centime. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir une comparaison détaillée du résultat de ces deux outils. Et comme je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour vous qui vous fera gagner un temps fou sur le montage de vos vidéos YouTube. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on attaque avec le tuto, c'est parti. Donc ici, j'ai un fichier qui va nous servir de test. Comme ça, je vais vous le faire écouter pour que vous puissiez bien entendre le bruit de fond et ensuite, je vais vous montrer comment le supprimer. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Donc là, on entend bien le bruit du vent en arrière-plan. Pour la méthode que je vais vous présenter, on va avoir uniquement besoin de l'audio de notre vidéo. Donc pour cela, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel outil de montage vidéo. Moi, par exemple, ici, je vais utiliser Premiere Pro. Mais vous pouvez très bien faire ça aussi avec CapCut. Donc ici, j'ai placé mon fichier dans la timeline et je viens l'exporter en MP3. Le premier outil que nous allons utiliser est Adobe Podcast. Il est totalement gratuit. Pour le trouver, il suffit juste d'écrire podcast.adobe.com sur votre moteur de recherche. On arrive donc ici sur l'interface d'Adobe Podcast et juste ici, on a Linen Speech. Donc on va cliquer dessus. Normalement, Adobe vous demandera de créer un compte ou bien de vous connecter pour pouvoir utiliser l'outil. Moi ici, c'est déjà fait. Donc ici, on va pouvoir importer notre piste audio qu'on vient d'exporter en MP3. Donc je la prends et je la glisse juste ici. Adobe Podcast va traiter notre audio pour améliorer le son et également supprimer le bruit de fond. En général, c'est assez rapide, mais si vous avez un gros fichier, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes maximum. Et donc là, on va écouter le résultat. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Donc là, on entend bien le bruit du vent en arrière-plan. Si jamais vous trouvez que votre voix a été trop modifiée ou bien que cela a trop ou pas assez supprimé le bruit de fond, eh bien ici, vous allez pouvoir jouer avec la jauge. Plus vous allez aller vers la droite sur la jauge, plus il y aura d'effet sur l'audio. Et inversement, plus vous irez vers la gauche, plus ça en enlèvera. Et si jamais vous l'écoutez avec puis sans effet, vous pouvez très bien ici désactiver l'effet, écouter l'audio d'origine et le réactiver pour faire une comparaison. Et voir ainsi qu'est-ce qui rend le mieux. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous allez pouvoir cliquer ici sur télécharger. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur Adobe Podcast, je vous conseille d'aller voir ce tuto dans lequel je vous explique en détail ces différentes fonctionnalités. Donc là, je viens d'importer ici la piste audio traitée par Adobe et on va écouter un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est sans l'effet. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo et maintenant avec l'effet. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Si vous êtes tout aussi bluffé que moi par ce résultat incroyable, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Votre soutien compte énormément pour nous. D'ailleurs, des astuces comme celle-ci, vous allez pouvoir en découvrir davantage avec le petit cadeau que j'ai pour vous en fin de vidéo. On voit donc clairement la différence entre l'audio d'origine et l'audio traité par Adobe Podcast. Et cette différence, on peut la voir également au niveau des ondes audio. Vous voyez qu'ici, il y a plein de petits signaux, alors que là, il n'y en a plus du tout. Adobe Podcast a fait vraiment un très bon travail pour supprimer le bruit de fond, tout en améliorant également la qualité de ma voix. Il se peut que dans certains cas, l'outil déforme un peu votre voix. Si c'est le cas, je vous conseille de faire des tests en diminuant légèrement la quantité d'effets avant de télécharger votre audio traité. Et vous pourrez ainsi trouver le meilleur juste milieu entre un bruit de fond suffisamment réduit et une voix qui reste naturelle. Le deuxième outil que je voulais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Descript. Il est à la fois un outil pour la suppression du bruit de fond, mais également une application de montage vidéo complet. D'ailleurs, je vous ai concocté un petit tutoriel complet pour apprendre à sous-titrer vos vidéos grâce à l'une des intelligences artificielles de Descript. Le lien est juste ici. Il possède également d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle étonnantes pour faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et pour cela, la version gratuite de Descript sera amplement suffisante. Pour utiliser Descript, on va devoir créer un compte. Ou bien, si jamais vous en avez déjà un, je vous laisse vous connecter avec votre adresse mail. Pour vous créer un compte, il suffit juste de suivre les étapes, donc je vous retrouve juste après. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir télécharger l'application de Descript. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt l'application que le site internet. Donc ensuite, là, on va pouvoir cliquer juste ici pour créer un nouveau projet. Vous avez le choix entre soit ajouter directement votre vidéo si vous n'êtes pas passé par un autre logiciel pour extraire l'audio de votre vidéo, ou bien sinon, vous pouvez ajouter directement le fichier audio comme on l'a fait sur Adobe Podcast. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici. Ça sera juste à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Ici, on va ajouter notre fichier audio. Et donc là, il va transcrire notre fichier. Donc on va cliquer sur français. Et ici, on peut voir l'avancée de la transcription. Et juste ici à droite, on va pouvoir activer le son studio. On va cliquer ici. Descript va faire de nombreux ajustements sur notre fichier audio, dont la suppression du bruit de fond.
Et maintenant, on va pouvoir écouter le résultat. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Donc là, on entend bien le bruit du vent en arrière-plan. Encore une fois, vous pouvez voir qu'on a vraiment des résultats incroyables avec cet outil. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer ici sur Publier. Ici, on va cliquer sur Export. On va sélectionner ici Audio et on va sélectionner MP3. Et on peut cliquer sur Export. Et donc ici, dans ma timeline, je vais ajouter l'audio traité par Descript. Avant de passer à la comparaison de ces deux outils, selon vous, lequel va être le plus performant? Je suis curieuse d'avoir vos pronostics dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer à la comparaison des résultats de ces deux outils. Au niveau des waveforms, ici, comme je vous le montrais tout à l'heure, il nous a encore plus supprimé de bruit de fond, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a vraiment plus rien du tout. Et si j'agrandis, vous voyez qu'ici, il en reste un petit peu. Et ici, on a vraiment le calme plat. Donc j'en conclus qu'il reste un petit peu plus de bruit de fond avec Adobe Podcast. Mais je vais vous laisser juger par vous-même. On commence tout de suite à écouter l'audio d'origine. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Maintenant, nous avons le son traité par Adobe Podcast. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Et enfin, l'audio traité par Descript. Voici donc une vidéo test pour voir comment les outils vont pouvoir supprimer le bruit de fond de notre vidéo. Je trouve ici que j'ai eu vraiment de meilleurs résultats avec Descript et que cet outil a un peu moins déformé ma voix comparé à Adobe Podcast. En réalité, cela dépendra énormément de la qualité de l'audio du fichier d'origine ainsi que la quantité de bruit de fond qu'il y aura dessus. Comme promis, il est temps de vous dévoiler le cadeau que j'ai pour vous. Olivier organise un atelier en ligne ce dimanche à 20h pour vous apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures et ça même si vous n'y connaissez rien en montage vidéo. Pour vous inscrire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien ici. À bientôt, ciao!